Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. C'est Monsieur Luc avec Language Sprout. Je suis votre professeur de français. Aujourd'hui, c'est notre histoire en français numéro 13. Numéro 13, ça fait 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 histoires et pour la 13e, on va lire Ne laissez pas le pigeon conduire le bus. Ce n'est pas une bonne idée. Non, ne laissez pas le pigeon conduire le bus. Pourquoi tu voudrais faire ça Ce n'est pas une bonne idée, d'accord On va lire ça ensemble. Mais n'oubliez pas que nous aurons notre leçon de français à 2h30 cet après-midi. Cet après-midi, c'est les animaux de zoo qu'on va continuer à étudier. Et cet après-midi, on va faire des mots cachés. Oui, c'est super, vous pouvez imprimer votre feuille avec les mots cachés, c'est notre activité. Si vous vous inscrivez à notre bulletin d'information, vous pouvez comme ça recevoir les feuilles, ce qu'il faut. Allez, uh, hi everyone, uh, this is Luke at Language Sprout, I'm your French teacher. We're doing our 13th story time. For this story time, we are reading Don't Let the Pigeon Drive the Bus. Pretty good advice, right? We'll see if it happens. I don't know what's gonna happen with this pigeon and the bus. so um, get ready for that. but also a reminder, we are doing zoo animals this week for our mini lessons. Our lessons happen at 230. That's when you can come back after this story time to have a French lesson and you can print out your zoo animal mats and today you can print out the word search. Le mots cachés that you got in our newsletter. Um, hopefully you've signed up for that. If you haven't languageabout.com, just sign up for the newsletter, get this in your email, you get all the materials you need for the lessons in the email. Print this out and we're going to do a word search together on zoo animals. Okay, vous êtes prêts? Vous êtes prêt à lire? Tout le monde est prêt à lire. Ne laissez pas le pigeon conduire le bus. On est là? On est prêt? C'est parti. Oui, on est content. Content Vous êtes prêt Bonjour Bonjour, bonjour. Tout le monde est content Tout le monde est prêt à lire Oui, on va lire. D'accord. Ne laissez pas le pigeon conduire le bus. Regardons ce qui va arriver. Ah, voilà. Le pigeon. Ah, il veut conduire le bus. Il rêve. Il rêve des bus qu'il peut conduire. Il dit, mm, je veux conduire un bus. C'est son rêve, c'est son rêve. Il veut, il veut, il veut, il veut conduire un bus, il veut vraiment, vraiment. Bon, regardons, qui est là, qui est là Ah, bonjour, c'est le chauffeur de bus, c'est l'homme qui dirige le bus, c'est ça, le chauffeur de bus. Il dit, bonjour, je suis le chauffeur du bus, c'est lui, le chauffeur de bus. Écoutez, je dois m'absenter quelques instants. Oui. Pouvez-vous surveiller mon véhicule jusqu'à mon retour? Ah, vous pouvez surveiller le véhicule, le bus. Ah, je vais surveiller le bus. Oui. Merci bien. Merci. Oh, j'oubliais. Ne laissez pas le pigeon conduire le bus. Ne laissez pas. Non, non, ne laissez pas. C'est ce qu'il nous dit. Il ne faut pas laisser le pigeon conduire le bus. Ah, non. Le bus. Qu'est-ce qui va arriver alors Le pigeon veut conduire le bus. D'accord. Bon. Regardons le chauffeur de bus. Au revoir. Au revoir chauffeur de bus. Il va partir. Le bus est là. Il n'y a pas de chauffeur. Il part. Qu'est-ce qui va arriver Le pigeon. Le pigeon. Il a vu. Il a vu le chauffeur. Il a vu qu'il est parti. Le pigeon est là. Il est prêt à conduire. Mmh. Ça va pas être bon. Le bus, voilà le bus. Le bus est là. Le chauffeur est absent. J'ai cru qu'il ne s'en irait jamais. Ah, il voulait que le chauffeur parte. Il voulait que le chauffeur quitte le bus. Il dit ah, il est prêt à conduire le pigeon. J'ai cru qu'il ne s'en irait jamais. D'accord, regardons. Ah. Ces deux pigeons, on a deux pigeons. C'est l'ami de ce pigeon. Et il dit hey, Puis-je conduire le bus Moi, je peux conduire. Je veux conduire. Puis-je conduire le bus Je veux. Toi aussi, peut-être, tu veux conduire le bus. C'est une bonne idée mmh, Non, pas vraiment. Ce n'est pas une très bonne idée non ce n'est pas une bonne idée non je ne crois pas qu'est ce qu'il va dire l'ami on va voir qu'est ce que l'ami va dire le pigeon dit s'il vous plaît 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 je veux conduire le bus je veux vraiment conduire le bus pourquoi dit-il bah, je t'en supplie je veux vraiment je veux vraiment conduire je ferai attention hmm. Je ferai attention en conduisant le bus. Je ferai bien. Je ferai attention. Il faut faire attention en conduisant le bus, n'est-ce pas Alors, je ferai attention en conduisant. Ça va Il faut faire attention. Bon, qu'est-ce qu'il va dire Vous savez quoi Je dirigerai seulement. Je dirigerai seulement. Mmh. Oui, peut-être. Ça peut marcher. D'accord. Si, si dirige. Mon cousin Fred conduit un bus presque tous les jours. Ah, son cousin sait conduire un bus. Il peut conduire un bus. Son cousin Fred. Il conduit déjà un bus. Oui. Bonjour Fred. Bonjour. Oui. Alors, il peut conduire. Je crois. Vous croyez? Il peut conduire? Oui, parce que son cousin conduit. Pourquoi pas? Hmm? What do you all think, huh? Hein? Il dit, "His cousin Fred knows how to drive a bus, so that means he can too, right?" Mm? Sure. Back out. Okay. Wait. Il peut conduire. Ben, on va voir. On va voir. Regardons. Parole d'honneur. Je vous donne mon parole d'honneur. Je peux conduire. Mm? Parole d'honneur. Regardez. L'ami du pigeon. Hmm. Il n'est pas tout à fait sûr. Il ne croit pas. Il ne pense pas. Non, je ne... il ne pense pas que le pigeon peut conduire le bus. Son ami le pigeon. Même avec une parole d'honneur. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Ça va marcher Je crois que non. Je crois que non. Mais peut-être, on va voir. Bon, le pigeon dit vroom, 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 vroom. 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 Vroom, 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 c'est le bus. Pigeon au volant. Pigeon au volant. C'est le pigeon au volant. Voilà, le pigeon, c'est le volant. Il faut diriger le volant pour conduire le bus. C'est un pigeon au volant. Ah, ça fait peur. Ça fait un peu peur. Le pigeon au volant. Hum, je ne je vais pas prendre le bus s'il y a un pigeon qui conduit. Toi tu vas prendre le bus Tu vas monter dans le bus quand un pigeon conduit hmm. D'accord, regardons. Non 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 Je ne peux pas Je ne peux pas conduire le bus, moi Le pigeon Non Tu ne veux pas hmm. On ne me laisse jamais rien faire. On ne me laisse jamais rien faire, le pauvre pigeon. On ne lui laisse jamais rien faire. Il ne peut pas conduire le bus. Il est triste parce qu'il veut conduire le bus. Il veut vraiment conduire. On ne me laisse rien faire. Pourquoi Je veux conduire le bus. Hein? Qu'est-ce qui va arriver Et hey, j'ai une idée. J'ai une idée, moi. Oui, j'ai une idée. Mmh, une idée. Si on jouait à conduire le bus, ah, ça peut, ça peut marcher? C'est une idée, là. Si on jouait à conduire le bus. D'accord. Alors, il dit C'est moi qui commence. Allez, il y va. Il dit Moi, je commence. Je veux jouer à conduire le bus. Il court. Il est prêt. Il court pour jouer à conduire le bus. Allez, hop. Qu'est-ce qu'il fait? Je... Il est là. Il est là. Il est prêt et il dit, allez, juste le tour du pâté de maison. Hmm? Ça suffit. Le tour du pâté de maison, c'est ça, oui. We can just drive around the block. Right? Juste le tour du pâté de maison. Ça suffit, c'est bon. C'est un petit tour. Un petit tour en bus. Hmm, pourquoi pas? Le pigeon peut conduire. Allez, regardons. Je serai ton meilleur ami. Je serai, pardon, voilà, je serai ton meilleur ami. On peut être de bons amis, oui. Et contre 5 bifetons, oui, pas juste. Ce n'est pas juste, C'est pas vraiment juste. Il veut vraiment, laissez-moi conduire, il dit, laissez-moi. Je parie que ta maman accepterait, elle. Ah, maman peut, peut-être qu'elle dirait, oui, tu peux conduire. Elle peut dire, oui, tu peux conduire le pigeon. Maman dit oui. D'accord, alors il peut. Il peut. Où est le problème Où est le problème Pourquoi il ne peut pas conduire Quel est le problème Il n'y a pas de problème, hein. Quel est le problème Je ne sais pas. Ce n'est qu'un simple bu bus. Ce n'est qu'un bus. Oui, c'est un bus, ce n'est pas, pas difficile. Ce n'est pas difficile conduire un bus. Ce n'est qu'un simple bus, c'est tout. Alors. J'ai un cœur, vous savez. J'ai un cœur. Un cœur. J'ai un cœur. J'ai un cœur. J'ai un cœur. Vous savez, j'ai un cœur. J'ai envie de conduire. Pourquoi je ne peux pas co conduire Oui. Le pauvre pigeon. Il est triste. Oui. On a, on a brisé son cœur. Il dit ben, parfait. D'accord. Parfait. C'est parfait. Qu'est-ce qui va arriver oh! Laissez-moi conduire le bus Laissez-moi Pourquoi je ne peux pas conduire Laissez-moi Il est fâché euh, Il est fâché Il dit je veux conduire Laissez-moi conduire Laissez-moi Il est un peu fou il devient un peu fou là Oui Alors laissez-moi conduire Je veux conduire Je veux conduire Alors qu'est-ce qui va arriver et je veux. Que... Oh. Hmm. Le pigeon regarde les plumes. Il perd des plumes. Les plumes. Regardons les plumes. Les plumes bleu ciel. Il perd ses plumes parce qu'il est fâché. Il n'est pas content. Il veut conduire le bus. Il est vraiment frustré, stressé. Oui, le pigeon Et pour ça. Il perd les plumes. Alors comptons les plumes. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il a perdu 11 plumes à cause du stress. C'est le stress, la frustration. Il est frustré, il est triste, il n'aime pas. Et c'est pour ça qu'il y a des plumes. Voilà. Alors, regardons. Qu'est-ce qui va arriver? Alors, si je peux tourner le, la page. Ah, regarde qui c'est. Regarde qui c'est. Je suis de retour. C'est le chauffeur de bus. Vous n'avez pas laissé le pigeon conduire le bus, n'est-ce pas Non. Vous n'avez pas laissé le pigeon conduire le, le bus, j'espère. Hein? Vous avez laissé Vous avez per, permis au pigeon de conduire le bus Non. Non, non, il ne faut pas laisser. Il dit, super, d'accord, c'est bon, super. Merci beaucoup. Merci, oui, merci beaucoup. Oui, merci de ne pas avoir laissé le pigeon conduire le bus. Le pigeon voit le bus et il dit, aïe, 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 aïe. Oui, il n'est pas content. Ouais, ça fait mal parce qu'il voulait conduire le bus. C'est ça. Hmm? Le pauvre pigeon. Il ne peut pas conduire le bus. D'accord. Bon. Regardons. Bon. Qu'est-ce qui va arriver Ah. Le chauffeur. Il va partir. Mmh. C'est triste. C'est un peu triste. Le chauffeur dit. Au revoir. Au revoir. Oui. Au revoir. Le chauffeur. Il quitte dans le bus. Et le pigeon. Tête pendue. Il est triste. Il est vraiment triste parce qu'il voulait conduire. Pourquoi Il ne peut pas conduire le bus. Pourquoi pas Pourquoi ne pas laisser le pigeon conduire Mais regardons, qu'est-ce qui va arriver Il dit, hé hey! mmh. Mais il est intéressé là. Il a trouvé quelque chose de nouveau. Hé hey. Hé hey. Qu'est-ce qu'il a vu Qu'est-ce qu'il a vu Qu'est-ce qu'il a vu C'est quoi C'est un bus c'est un bus, peut-être Non C'est rouge. C'est rouge, c'est grand, il y a une grande roue. Mais c'est quoi C'est quoi comme véhicule Qu'est-ce que c'est Il a vu quelque chose qu'il veut conduire, peut-être, vous savez. D'accord. Regardons. Et. Et c'est quoi Qu'est-ce que tu penses C'est quoi Qu'est-ce que c'est Vous savez Does anyone know what this is Is that a bus Is it something else vous pouvez me dire dans les commentaires qu'est-ce que c'est. C'est quoi là On va voir. Le pigeon veut conduire quelque chose d'autre. Ah Je vois. Ah C'est semi, la semi-remorque. Ah c'est vrai, c'est un grand camion. Il rêve maintenant de conduire la semi-remorque. C'est ça. C'est ça, c'est son nouveau rêve. Il faut toujours rêver. Oui, il faut toujours rêver. Donc, il rêve toujours de conduire la semi-remorque. Pauvre pigeon. Mais il continue à rêver. Il est optimiste. Il est optimiste. Hein? Il veut continuer à rêver. Il dit, je vais conduire quelque chose. Je peux et je veux et je vais conduire quelque chose. Voilà. C'est ça, le pigeon qui rêve de conduire le bus. D'accord. Ah, c'est la fin. Oui, regardons. Alors. Malgré l'interdiction formelle du chauffeur de bus, le pigeon veut prendre le volant. Il veut vraiment prendre le volant. Alors il va déployer ses multiples talents de persuasion pour parvenir à ses fins. Il dit hey, ⁇ Eh, je peux conduire le bus ?⁇ Eh, eh, je peux conduire S'il te plaît Allez, allez, laisse-moi, laissez moi laissez -moi, laisse moi conduire le bus, s'il te plaît, s'il te plaît. Hmm. ⁇ Bon, vous êtes persuadé vous, vous êtes convaincu Oui. Est-ce que vous laisseriez conduire le bus Est-ce que vous laisseriez le pigeon conduire Oui. Et toi, tu le laisserais conduire hmm? Qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu penses tu le, tu le laisserais conduire, lui, le pigeon D'accord. Vous pouvez me dire dans les commentaires. Would you all let the pigeon drive the bus That's the question. Et toi Would you let him drive? Hmm? What do you think? Tell me about it. Um. I guess it's up to you. So you tell us. D'accord. Vous avez aimé l'histoire? C'est bon. C'est bon. Did you all like this story? Vous avez aimé? Let me know in the comments. Tell me. Le pigeon. We have other pigeon stories. I think we have another one. We'll probably do it tomorrow. Okay. Le pigeon. C'est intéressant. Yeah. Everyone noticed the pigeon it had a dream, un rêve, un rêve. C'est son rêve. That was his dream to drive the bus. But that didn't work out. Didn't hold him back, right? Un nouveau rêve, a new dream for that pigeon to drive a semi truck. Haha. Ha. Don't stop. Don't lose faith in your dreams, right? And that pigeon is not going to stop until he drives something. D'accord but maybe you'd let him drive the bus tell me what you think okay D'accord. c'est ça on va chanter au revoir on va chanter au revoir mais revenez à 2h30 pour notre mini lesson D'accord il est temps de chanter au revoir we're going to say goodbye but come back when uh, we do our mini lesson later today at 2.30 okay everyone uh, voilà on va chanter allez on va chanter au revoir au revoir à bientôt à bientôt à la prochaine, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé le livre. Ne laissez pas le pigeon conduire le bus. C'est magnifique. Et au revoir. À bientôt. À bientôt de vous voir.